Salut à tous, c'est AppleFan, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo du déballage du MacBook Pro Retina 13 pouces. Donc ce MacBook Pro est doté d'un processeur Intel Core i7 de 4ème génération et d'une carte graphique Nvidia GeForce GT750M. Le Mac possède aussi un écran Retina 13 pouces. Il mesure de large 31,4 cm et de hauteur 1,8 cm. Je vais maintenant procéder au déballage. Donc je vais commencer par ouvrir le dessus du carton. Donc nous avons sur le dessus le MacBook Pro Retina 13 pouces. Il est vraiment ultra puissant. Il a une qualité d'image extraordinaire. Donc voici la paume qui s'allume quand on allume le Mac. Donc maintenant je vais détailler les accessoires. Donc en premier nous avons ici une partie de l'alimentation qui se branche au Mac, qui est aimanté. Je trouve ça très sympa. Ensuite nous avons ici les notices, donc comme qui se présentent comme pour l'iPhone. Voilà. Donc j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Ensuite nous avons la dernière partie de l'alimentation qui s'assemble avec l'autre et qui permet de la brancher sur un secteur électrique. Donc dans la petite pochette à notice nous avons trois papiers plus des autocollants et un chiffon. Donc la première notice c'est des explications rapides, ensuite plus approfondies. Et la dernière, c'est des explications sur la garantie. Ici, nous avons les deux autocollants Apple et le chiffon pour nettoyer l'écran. Donc maintenant, nous allons fixer les deux alimentations afin de pouvoir charger le Mac. Donc, on va mettre comme cela. On va les emboîter l'un dans l'autre. C'est tout simple, voilà. Donc ici, nous avons la face avant du PC avec la petite poignée. Voilà. Donc ici c'est le côté droit. Donc en premier nous avons un lecteur de carte SD, un port HDMI et le dernier un port USB 3.0. Donc de l'autre côté nous avons l'emplacement pour brancher le chargeur, deux emplacements Thunderbolt 2, un emplacement pour brancher une clé USB 3.0, une prise jack et deux micros. Donc je vais maintenant brancher l'ordinateur afin de pouvoir l'allumer. Vous pouvez voir que c'était monté et que ça se branche directement. Donc des LED lumineuses vont s'allumer et elles changeront de couleur lorsque l'ordinateur sera chargé. Voilà, donc j'enlève le petit film plastique et je vais l'allumer et on se retrouve directement sur le bureau après avoir fait les paramètres. Voilà, donc on se retrouve sur le PC. Donc je vais vous présenter un petit peu les applications principales. Donc il n'y a pas du tout la même chose sur Windows à part iTunes. Donc vous avez Photobooth, qui est un logiciel qui permet de prendre des photos. Donc il y a aussi sur iPad, mais celui de Mac est beaucoup mieux parce qu'il y a d'autres fonctionnalités. Donc ensuite, donc je vais commencer par le début. Donc vous avez Finder. Donc c'est un petit peu l'équivalent de mes documents sur Windows. Vous avez le Launchpad. Donc vous avez les quelques applications fournies avec le Mac. Donc ensuite vous avez Safari. Donc c'est le navigateur par défaut sur Mac. Vous avez vos mails, vos contacts. Donc si vous pouvez aussi synchroniser votre iPhone avec votre Mac. Donc ce qui permettra d'avoir tous vos contacts. Vous pourrez aussi envoyer des iMessage à vos amis. Voilà. Donc vous avez aussi les rappels. Donc c'est un petit peu comme un iPhone, je trouve. Ça ressemble. Donc vous avez FaceTime, iPhoto. Donc c'est un logiciel où vous pouvez importer toutes vos photos de votre iPhone. Donc vous avez des pages. Donc c'est un petit peu l'équivalent de Microsoft Word sur Windows. Vous avez les numbers, donc c'est un petit peu comme des fiches de calcul, voilà, donc sur Excel. Vous avez Keynote,
J'ai pas encore trop regardé. Donc vous avez iBooks, comme sur l'iPad, App Store, c'est pour télécharger des applications, mais c'est payant bien entendu. Et là, vous avez préférence système, donc c'est un petit peu comme les réglages, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !